cette année, est-ce que je vais acheter l'iPhone 15 ou 15 Pro ou pas? Parce que l'année dernière, rappelez-vous, je vous indiquais en vidéo que je n'allais pas passer à l'iPhone 14 ou 14 Pro parce que je n'y voyais pas l'intérêt. Je trouvais que le gap entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro, ou 14 tout court, n'était pas assez important pour justifier un changement de téléphone. Et je trouvais ça quand même assez court de changer de téléphone tous les ans. Mon iPhone 13 Pro qui filme cette vidéo actuellement, je l'ai acheté en février 2022. Donc là, en réalité, ça fait tout juste un an et demi que j'ai mon iPhone, alors que je m'étais dit que je changerais de téléphone tous les deux ans. Et ce changement est arrivé, comme vous le voyez ici, le Google Pixel 7a que l'on va aujourd'hui déballer. Et je vais vous donner quelques petites informations sur ce téléphone. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté du bouton s'abonner ou dans le bouton s'abonner pour recevoir toutes les notifications, comme ça t'en as une à chaque fois que je sors une vidéo. Regarde ici en bas la petite animation, il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne, Facebook, Instagram et X, @RémiOfficiel sur tous. Alors aujourd'hui pour ce déballage setup un petit peu particulier, j'ai mon iPhone qui me filme de face et le Lumix FZ1000 qui va filmer cette zone ici où il y a la boîte avec le Google Pixel 7a. Alors rapide résumé un petit peu de ma pensée, j'ai mon iPhone 13 Pro ici, les iPhone 15 au moment où je tourne la vidéo, on sait pas encore qu'est-ce que ça va être, etc. Parce que la keynote Apple n'a pas encore lieu. Je tourne cette vidéo le 24 août pour qu'elle sorte en septembre, d'ici la fin septembre. Donc au moment où je tourne, j'ai encore aucune idée. Moi, les rumeurs, je m'en fous. Je préfère voir le vrai, le dur. Donc j'ai encore aucune idée de ce que va être l'iPhone 15. Donc je sais pas s'il va me plaire. Et mon iPhone 13 Pro qui filme cette vidéo actuellement, il a encore une certaine valeur de revente vu que l'iPhone 15 au moment où je tourne la vidéo n'est pas encore sorti. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche à revendre tout de suite mon iPhone 13 Pro pour en tirer la meilleure valeur possible, ou est-ce que j'attends la sortie de l'iPhone 15, je vois s'il me plaît ou pas, et s'il me plaît pas, bah je revends quand même mon 13 Pro et je change de téléphone pour potentiellement retourner chez Android. L'appât du gain a plutôt ici fait l'objet de ma décision, puisque du coup je revends mon iPhone 13 Pro avant la sortie de l'iPhone 15, comme ça il a une cote encore à peu près, on va dire. Donc il me fallait du coup entre les deux un téléphone de remplacement, un téléphone de bascule. Et j'ai commencé à regarder les téléphones Android. Bah oui, je suis retourné du côté obscur de la force. Et ouais, effectivement, les flagships Android, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Je m'étais penché sur le Asus Zenfone 10, mais bon, il vaut 899 € je crois pour certains modèles. Donc c'est le prix d'un iPhone, donc bon, ça va aller quand même. Hein. Je me suis aussi penché sur le Nothing Phone 2, je me suis dit ça pourrait être pas mal aussi de le tester. Et j'ai commencé à regarder les Google Pixel, et j'ai vu que très récemment, il y a à peine quelques mois, peut-être quelque chose comme ça, le Google Pixel 7a était sorti, c'est le dernier né de chez Google. Mais il y a les Google Pixel 8 qui arrivent. Ah putain, je fais quoi? Et au final, je me suis donc jeté sur le Google Pixel 7a qui sera donc mon téléphone de bascule entre mon iPhone 13 Pro et potentiellement l'iPhone 15 ou 15 Pro. Donc cette vidéo, c'est la vidéo de déballage. On va voir un petit peu l'expérience Google de quelqu'un comme moi qui vient d'un iPhone, qui a toujours eu des iPhones d'ailleurs en téléphone. Et c'est vrai, j'ai toujours eu des iPhones en téléphone, donc c'est mon premier téléphone Android. Je compte pas l'époque où j'avais une tablette tactile Android, une Toshiba. Ah, je préfère l'oublier celle-là. Donc allons-y pour le déballage du Google Pixel 7a. Alors la petite étiquette ici, c'est normal, c'est parce que je l'ai acheté chez Boulanger, donc j'ai dû le commander avant, et donc forcément voilà, il te colle une étiquette sur la boîte. Là normalement en dessous il y a le logo Google hein, sur le téléphone. Je l'ai pris en bleu océan, comme on appelle ça, donc ça va pas trop me changer de mon iPhone 13 Pro qui est bleu également. Donc c'est le Google Pixel 7a modèle 128 Go de stockage. Donc le Google Pixel 7a, c'est un téléphone qui fait 6,1 pouces, donc là aussi ça va pas trop me changer de mon iPhone 13 qui fait la même taille, sauf que ces 6,1 pouces sont disposés de manière différente par rapport à l'iPhone, puisque on le verra quand on va le sortir de la boîte, c'est un téléphone qui fait 152 mm de haut. Bah tiens, pour les dimensions tout ça, on verra ça en sortant le téléphone. Donc 152 mm de haut, mais on va voir ça en sortant le téléphone de sa boîte. 128 Go de stockage, le processeur Google Tensor 2 et la puce de sécurité Titan M2. Allez, on tarde pas plus, on va donc ouvrir la boîte. Donc on a deux petites tirettes juste ici, sur les côtés, donc je vais m'empresser de tirer un instant en essayant de cadrer correctement, hein, ce qui serait quand même pas mal. C'est vrai que vous êtes là quand même pour mater une vidéo de bonne qualité, de une et de deux.
Alors là, actuellement, sur la caméra de l'iPhone, hein, coucou. Bon. Ouais, mais c'est parce que je me focus sur le déballage. Désolé. J'ai le pied du micro qui passe dans l'angle. Bon, on va essayer de faire en sorte à ce que ça aille. Hein. Donc les deux tirettes sont enlevées. On peut maintenant ouvrir. Hop, la boîte. Donc le carton est plutôt pas mal fin. On a un petit, si vous arrivez à voir ici au fond, ça c'est pour le capteur photo. On a un petit renfoncement qui est fait dans le carton. Le carton est beaucoup plus fin hein, que les boîtes d'iPhone. C'est pour ainsi dire du carton très simple en fait. Et donc on arrive sur directement le dos du téléphone. Donc avec un petit, une petite languette ici pour pouvoir l'enlever. Alors le dos, vu qu'on attaque directement dessus, c'est un dos. Il n'est pas en verre, c'est un espèce de plastique en fait. C'est Google disent que c'est un matériau thermoformé 3D. Bon, c'est une espèce de plastique quoi, hein. C'est pas du verre directement. Et la partie capteur photo ici, si je la touche avec mon doigt, ouais, ça a l'air de l'aluminium également, comme le châssis, parce que c'est un ressenti très froid. Donc d'ailleurs, on les voit tout de suite, les deux capteurs photo ici à l'arrière du téléphone, on en a deux, un grand angle et un ultra grand angle. Alors je sais pas lequel est lequel, mais en tout cas, donc le capteur grand angle, c'est un capteur photo grand angle de 64 mégapixels avec la technologie Quad PD. Alors, je sais pas ce que c'est, désolé, pied du micro. Je sais pas ce que c'est Quad PD, je me suis pas renseigné, mais bon, bah, c'est 64 mégapixels sur ce capteur-là, c'est plutôt pas mal. Un zoom jusqu'à 8x, et du coup, on a aussi un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, le tout, du coup, avec une stabilisation optique et électronique. Alors, on va sortir, voilà, le téléphone de sa boîte. Il y a donc on va enlever la boîte. Un petit papier sur le devant. On a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Le lecteur de carte nano SIM physique, il est ici sur le côté. Les boutons de volume qui sont là sur le côté. Le bouton marche arrêt. Je crois que le capteur d'empreinte digitale, il doit être sur un des deux boutons parce qu'il y a également. Bah non, il est là. L'art de dire des conneries, hein, bienvenue sur la chaîne, si bon, un jeune, abonnez-vous, bien sûr, c'est sympathique, hein, on dit des conneries à longueur de journée, c'est cool. Vous voyez, j'espère que la mise au point se fait toujours sur ma gueule au niveau de l'iPhone, parce que ça aussi. Donc voilà, pour ça, donc, comme je disais, on a effectivement, alors je peux pas comparer avec l'iPhone parce qu'il est en train de tourner la vidéo, mais donc en hauteur, le téléphone fait donc 152 mm de haut contre 147,5 pour l'iPhone 14 Pro, il est donc plus haut. Logiquement, il devrait être plus étroit, donc il fait 72,9 mm de large, le Google Pixel, quand l'iPhone en fait 71,5, l'iPhone 14 Pro. Donc il est même plus large. Et en épaisseur, on est sur un téléphone également plus épais que l'iPhone 14 Pro, puisqu'il fait 9 mm d'épais contre 7,85 mm pour l'iPhone 14 Pro. Donc il est en bleu océan, donc là le dos il est bleu, tout l'aluminium et le voilà tout ce qui passe au niveau donc, du capteur photo, ici, et tous les contours sont en bleu également. C'est un téléphone qui fait un poids de 193,5 grammes, qui est donc plus léger qu'un iPhone 14 Pro. Je compare beaucoup à la gamme iPhone parce que ben, moi c'est ce que j'ai actuellement. Certes, c'est le 13 Pro, mais le 14 Pro s'en rapproche. 206 grammes pour l'iPhone 14 Pro. 6,1 pouces, ça je l'ai déjà dit, donc pour le Google Pixel. L'écran, c'est un écran OLED avec un rafraîchissement jusqu'à 90 Hz contre 120 Hz pour l'iPhone 14 Pro. Et tous les deux, là, du coup, c'est des téléphones qui ont des écrans OLED. Le Google Pixel, c'est un écran OLED. On va faire ça bien, on va enlever tout de suite, hop, la petite protection qu'il y a sur l'écran. Je vous recentre ça un petit peu. Hein. Alors, avec tout ça, on n'a pas été regarder ce qu'on avait de livré avec dans la boîte. Donc, dans la boîte du Google Pixel, qu'est-ce qu'on a? On a ce truc-là, c'est un adaptateur USB-C vers USB-A. Si vous arrivez à le voir à la vidéo ici, ça va vous permettre, quand, si vous en avez besoin, de pouvoir faire les transferts de données depuis un périphérique que vous pourrez connecter en USB-A vers l'USB-C du Google Pixel en vue de transférer les données. Moi, je pense qu'on n'en aura pas besoin ici, ça va se faire en Wi-Fi. Donc ça, il restera dans la boîte. C'est un accessoire d'origine. Tout autour, ici, que je ne vais pas déballer pour l'instant, c'est un câble, je regarde hein, en même temps, c'est un câble USB-C vers USB-C pour le transfert de données et la recharge. Pas de bloc secteur données avec le téléphone, mais ça pas de panique, moi j'en ai acheté un à 20 watts à côté pour faire l'office. Et la petite boîte avec le logo Google ici, bah c'est, alors vous avez le voilà le petit pin pour l'éjection de la carte SIM ici, et bah elle est toute mignonne la boîte, j'ose pas l'ouvrir. Hop, ouais, si ça s'ouvre plutôt bien, bah c'est toutes les notices. C'est quoi? Oh, mais c'est un dictionnaire, c'est quoi ça? Ah oui, regardez, un petit papier bleu Google, qui vous met un petit peu les sites internet que vous pourriez avoir besoin pour connaître mieux la gamme Google.
Google Pixel. Et ça, le petit dictionnaire, là, bah, c'est les conditions de sécurité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ouais, tout, voilà, les caractéristiques, en fait, les livrets pas très intéressants, un peu rébarbatifs. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre dans la boîte? Rien du tout, même pas d'autocollant Google. C'est vrai, ça? Ouais, pas de rien. Bon. Ok, ça marche. Bon, on n'a pas plus de trucs que ça. Et ben, on va tout ranger. Donc, niveau batterie sur ce Google Pixel Setup, pendant que je regarde un petit peu à quoi elle ressemble, on est sur une batterie ici d'une capacité de 4300 mAh contre 3200 sur l'iPhone 14 Pro et 3095 sur le 13 Pro qui filme actuellement cette vidéo. Google nous annonce une autonomie de plus de 24 heures et jusqu'à 72 heures en activant. Il y a un mode super économie, ultra économiseur de batterie. Pardon, quand tu actives ce mode-là, tu es censé avoir jusqu'à 72 heures d'autonomie, mais ça dépendra comment tu te sers du téléphone. On a de la recharge sans fil sur ce Google Pixel qui va monter jusqu'à 18 watts contre 15 watts actuellement pour les iPhones. J'arrête pas de taper dans ce putain de micro, ça commence à m'emmerder. Je perds patience très vite. Ouais, tout à fait. Dans ce Google Pixel, comme je le disais, le processeur Google Tensor 2, la puce de sécurité Titan M2 et 8 Go de RAM. On a de la possibilité de vidéo avec les capteurs en face ici jusqu'à de la 4K en 60 images secondes et 4K 30 fps pour la caméra à l'avant qui est tout en haut de l'écran qu'on ne voit pas actuellement parce que l'écran est éteint, donc c'est beaucoup moins visible. On a donc de l'USB-C 3.2 Gen 2 sur le téléphone qui est donc ici tout en bas, là et là, donc c'est les deux haut-parleurs sur le côté. Il doit y avoir un micro également ici. Ça se trouve, je dis de la merde, hein. Je crois que c'est un haut-parleur et un micro, et l'autre haut-parleur il est ici en haut, le haut-parleur d'appoint. Bien, c'est les deux haut-parleurs qui sont là, je sais pas trop comment c'est disposé. Donc c'est un téléphone qui est double SIM, en tout cas vous avez la possibilité sur ce Google Pixel 7a de mettre une carte physique nano SIM à l'intérieur et d'adjoindre à ça une eSIM. Bon, bien sûr, faut voir avec votre opérateur s'il fait eSIM. Tant qu'on est sur le réseau, on a du Wi-Fi 6E sur ce Google Pixel 7a, donc du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC bien sûr, de la 5G, mais il y a une information qui me paraît floue, c'est la disponibilité ou non de la 5G millimétrique sur ce Google Pixel 7a. Dans une même phrase, au niveau du site Google et des informations qu'on peut te donner, on te dit oui, tu peux avoir de la 5G millimétrique, la ligne d'en dessous dit non, t'en as pas. Moi sur la boîte c'est écrit pas compatible avec la 5G millimétrique, j'aurais tendance à croire ça du coup, donc il a pas de 5G millimétrique. Mais apparemment ça dépend des modèles de Google Pixel 7a que tu peux acheter. Donc c'est assez mystique leur truc là. Dernière petite information avant de l'allumer et de voir un petit peu l'écran, eh bien c'est que tout l'aluminium qu'il y a sur le téléphone, donc le châssis, hein, le contour, plus le capteur photo ici en haut, là, tout le bloc photo, c'est de l'aluminium qui est censé être 100% recyclé. Voilà pour donc ce déballage, on va tout de suite voir un petit peu. Alors vous en vidéo, voilà, vous aurez qu'un point de vue, très subjectif, on va dire. Ça dépend ce que la caméra capte, ça dépend ce que votre écran d'ordinateur ou de téléphone peut restituer. Mais moi en tout cas, je vais pouvoir le voir à la mano. Je vais démarrer pour la première fois le Google Pixel 7a. Donc, ah bah vous voyez, je me contorsionne pour vous. Hein. Donc on appuie, on reste appuyé, ça vibre et voilà. Le démarrage du dit téléphone. Powered by Android avec le petit logo Google. Ça démarre, ça semble démarrer pas mal vite, mais en même temps le téléphone est neuf. Oui, c'est un téléphone neuf que du coup je compte revendre pour ceux qui se posent la question. Si jamais je pars sur l'iPhone 15. Et même si je pars pas sur l'iPhone 15, j'ai beaucoup lorgné sur le Google Pixel 7 Pro. Ou à la rigueur, il faudrait que j'attends la gamme Pixel 8 et il se pourrait que je parte au final sur un Google Pixel 8 Pro. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, rien n'est décidé. Je sais pas ce que je vais faire pour la suite. Et donc voilà, sur le premier démarrage, on arrive là-dessus. C'est en anglais. Welcome to your Pixels. Et on peut changer la langue et les paramètres d'accessibilité. Bon, on s'arrête là pour le déballage. Je vais pas vous faire la configuration en direct. Moi, ce qui va se passer de mon côté, c'est que je vais configurer le téléphone. Je vais transférer mes données. Je vais m'en servir. Et je vais me laisser un petit peu de temps, je sais pas exactement combien de temps, au moins une à deux semaines, au moins ça, et je viendrai, je vais décaler le micro quand même, sympathique, c'est que vous puissiez m'entendre, ça serait bien, et je reviendrai vers vous dans quelques temps pour vous donner mon retour, mon avis de ma bascule d'iOS vers Android. Déjà, si cette bascule s'est bien passée, s'il y a eu des choses qui se sont mal passées ou quoi que ce soit, et surtout si je me fais à la nouvelle génération d'Android, parce que j'ai quitté Android il y a quelques années sur une version qui était pour moi complètement instable. Ça marchait pas, ça plantait, ça buguait, c'était de la merde. Donc je vais voir, c'est censé être Android de
13, je crois qu'Android 14 n'est pas encore arrivé sur les Google Pixel au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'était le déballage du Google Pixel 7a, le dernier né de la gamme Pixel de chez Google. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve bientôt pour l'avis de ma bascule vers Android et l'avis tout simplement sur le téléphone. Est-ce que c'est bien de passer sur un Pixel 7a venant d'un iPhone 13 Pro, précisément, pour ceux qui auraient encore un iPhone 13 Pro chez eux. Je vous laisse là-dessus, portez-vous bien, c'était Rémi, et à la prochaine. Salut, ciao, bye bye. Salut la caméra du déballage, hein. Ouais, parce que faut pas les oublier, les mecs, là. Allez, ciao.